campagne est finie et puis le vote bat son plein depuis ce matin. Quelle analyse pouvez-vous en faire? Bon, je pourrais dire que finalement, on est au dernier tournant donc, de l'élection présidentielle 2019. On a déjà bâti une campagne vraiment qui s'est très bien passée. Et comme partout au Sénégal, on a constaté que la coalition IDI 2019 a cartonné. Donc c'est pareil également pour Ross Betcho. Et aujourd'hui, on est au jour de l'élection présidentielle à Ross Betcho où le vote se déroule normalement dans l'ensemble. Et là, on est venu sacrifier à notre devoir donc de citoyen pour voter. Oui, ça se passe bien dans l'ensemble. Donc vous savez, Ross Betcho a une particularité, c'est qu'on est tous une famille, bien que les visions sont différentes. C'est ce qui a fait que certains sont dans un parti, d'autres sont dans d'autres partis. Mais tout le monde a conscience qu'au lendemain de ces élections-là, donc on va se retrouver ensemble pour essayer de continuer à bâtir notre Ross Betcho qui nous est cher. Alors, Yaya Kane ? Moi, Amadou Diop, responsable parti au niveau de Ross Betcho. Alors, Donc ça se passe normalement, on a un bon problème, on est ensemble, donc on vit vraiment dans la convivialité. Inch'Allah, ah, je pense que... Comme En tout cas, si, on a un bon problème donc, au niveau peut-être nous à travers le et tout ça. Et nous-mêmes, on vit ces genres de choses-là. Donc nous avons déjà des liens sur Facebook, nous avons des cartes d'identité, il y a même des responsables de partis qui sont là, ils n'ont pas de carte d'identité, donc c'est le problème. Mais alhamdoulilah, ça se passe bien. Merci, c'est bon.